Salut, c'est Mushu et bienvenue à ce spécial Mushu Summon pour acquérir The Koga TT. Donc c'est un killer sélection bien évidemment. Donc voilà, c'est le gacha que je vous parlais, que je visais. Donc bien évidemment pour avoir le personnage de Koga. Donc ça démarre aujourd'hui, ça se termine le 15. Bon, faut pas se le nier, vous avez pu voir donc avec ma vidéo que j'ai récupéré quelques orbes. Pour préparer justement à ça, et donc on aurait que 750 orbes cette fois-ci pour pouvoir le faire. Donc pourquoi vous me direz le Koga? Bah tout simplement parce que ce Koga, bah faut pas le nier, c'est un personnage qui en fait fait mal, et en fait je pourrais le dire c'est un équivalent Blue Patchy, donc en quelque sorte. Puisqu'en fait il résiste autant que le Blue, et du coup forcément en PVP ça fait très très mal, et en fait quand je le rencontre à chaque fois je deviens dingue, parce que quand il y a une équipe à un Koga TT, je ne comprends pas, mais il déclenche tout le temps, il a tout le temps la soul bombe, et donc il déclenche tout le temps l'ulti, ça me rend dingue, je ne comprends pas. Donc du coup il me le faut. Donc comme vous voyez c'est un personnage qui a quand même des stats on va dire hybrides, et c'est surtout son soul trait qui fait ça. Eh oui, le dégât subi est moins 20% qui fait vraiment du bien. Et ça je vous dis que ça fait vraiment du bien, oui. Vraiment du bien. Surtout qu'au niveau après de ses compétences aussi, on est quand même bien, puisque bon, vous me direz qu'il a le frenzy, donc techniquement il faudrait le jouer en hybride, je sais pas encore, vu que moi je l'ai pas encore eu, donc je sais pas vraiment quel est le plus intéressant, si c'est le chapi ou si c'est l'hybride. On verra bien. Parce que vous voyez qu'il a quand même 30% pour la renforcer pour l'attaque normale, donc. Ouais, à voir. Peut-être que je poserai des questions à ceux qui l'ont déjà pour voir ce qu'ils me disent, ce qu'ils en pensent. Ou je ferai comme d'hab, je ferai même un petit test. Donc vous l'avez compris, voilà. Après les autres personnages sont quand même sympas. Hein. Vous avez la Unohana, on va dire, parce que je l'ai déjà. Donc forcément, oui, elle est quand même très très cool. Elle fait vraiment mal, on va dire, pour tout ce qui est event. Avec par exemple deux types d'ennemis, donc aussi bien Holo que Shinigami. Donc ça aide beaucoup, quoi. Donc. Pareil, le Baragan, il fait du bobo aussi, puisque son ulti et tous ses coups qui peuvent faire affaiblissement, bah, ça le rend aussi puissant que la version rouge, quoi. Et le Gin, bah Gin. Aussi bon PvE que PvP, hein, vous l'avez compris, c'est un de mes personnages préférés du jeu, là. Il fait bobo, mais j'ai déjà aussi, hein, donc forcément, voilà, vous comprenez un peu mon côté un peu tendu de la chose. Il y a Milarose que j'ai pas, par contre, voilà. Milarose aussi, pareil, qui est une bonne hybride. Donc faut pas dire, ce gacha en fait est très très bien, il y a vraiment des bons personnages, quoi. Et je vous avouerai que là c'est, il y aurait pas eu... après je vous le cache pas, il y aurait pas eu le Koga TT dedans, j'aurais peut-être pas poule. Mais là vu qu'il y a le Koga TT et que là ça fait X temps que j'attends qu'il revienne, ben comme on dit, on saisit la chance et on verra bien donc si Dame Chance est de mon côté et me donne mon Koga TT rêvé. Bon, habite comme à l'habituel, je vais commencer par étiquette silver. 80 comme d'hab, allez, go! Voilà, les tirages ont été faits, et maintenant, le destin est scellé. Koga, tu es avec moi. Rejoins l'équipe. Come on.
Je m'attendais pas à ça. Ah, pour le coup, je m'attendais pas du tout. Ah ouais. Il m'a filé plein de cartes au début. Ouais. Bon, hein. C'est pas top, dirons-nous pour l'instant là. J'ai une flopée de 4 étoiles. C'est pas très rassurant. Mais bon, en même temps, me disant que j'ai une flopée de 4 étoiles, ça signifie que le suivant devrait être un 5 étoiles d'après la logique. Mushu Spirits on. Kuga Tete Summoner. Alors là. Ouais. Ça, c'est un peu du. Ok. Est-ce que ça va être un de mes personnages maudits? Qui va me faire dépenser plein d'or, ben au final ne pas l'avoir et après l'avoir pour après le réavoir facilement. Vous voyez ce que je veux dire, un certain dangueil que j'ai eu comme ça. Ah, j'ai un peu les nerfs là. J'ai beaucoup les nerfs. Ouais, j'ai extrêmement les nerfs. Je vais faire une petite technique de reroll avec Con pour qu'il m'envoie du Con Spirit. Mon petit con. Envoie-moi du con spirit, mon con. Nous avons brisé maintenant la phase du 4 étoiles. Maintenant, le 5 étoiles ne peut que être là. C'est parti, mon ami. Dernier espoir du coca. Voilà. Ah, j'ai le seum. Ah, j'ai le seum. Ouais. Que dire. Bon ben, j'ai les boules. Parce que vous savez qu'on galère pour les orbes, donc j'ai les boules. C'est même pas un nouveau personnage, mais bon, en même temps, j'ai pris le risque. J'avais beaucoup déjà de personnages dedans, donc... Après, comme je l'ai dit, c'est pas des mauvais personnages. Mais bon. Ah, j'ai la blaze. Kuga Tete. C'est abusé. Ouais, je sens que ça va être le personnage que j'aurais pas avant un bail, ça va être chiant quoi. Super. Bon ben, comme vous l'aurez compris, je suis blasé total quoi. Parce que bon, j'espérais avoir le Kuga Tete, oui, dans le meilleur des cas quoi. Ou au pire, avoir Mila, on va dire, mais. Voire même, Vous savez très bien que j'avais une chance sur 5. Enfin, sur 4, 5, je sais plus, ça me... Ah, j'ai la blaze. Parce que là, sur ce coup-là, je peux pas faire d'orbes, donc là, j'ai perdu 750 orbes. Voilà. Donc là, pour les refaire, c'est pas gagné. Là, logiquement, je devrais avoir quelques orbes pour pouvoir faire au moins le gacha de Noël. Je pourrais pas en faire beaucoup de tirages, mais je pourrais en faire logiquement peut-être 250, je pense. À voir. Peut-être plus, selon ce qu'il y aura comme event... Comment ils vont ne pas rapporter d'orbes, mais bon.
Là, ça y est, bah, je pouvais pas avoir une lignée comme j'ai vu jusqu'à présent, j'avais toujours des personnages, bah là c'est. Fallait bien que ça arrive, hein. Ils ont dit que c'est Noël, c'est cadeau, tenez, cadeau. Ouais, super. Donc comme d'hab, bah, si vous voulez me soutenir dans ma détresse, mettez un petit like à la vidéo, hein. Et sinon, bah, si vous découvrez la chaîne, bah, n'inquiétez pas, j'ai fait d'autres gachas, je gagnerai vraiment ce que je veux. Là, pour l'instant, c'est juste, c'est pas gagné, quoi. Sinon, pareil, comme d'hab, vous avez les informations donc, sur la page Twitter ou sinon sur les pages de Facebook. Vous avez des informations aussi qui peuvent vous servir, comme des petites anecdotes qui m'arrivent. Et pareil, pour soutenir la chaîne, vous pouvez la soutenir via la page du Tipeee. Ça fera toujours du bien à la chaîne, comme on dit. Voilà, donc bah, vous voyez, ma Mouchou est déçue. Hein. Enfin, pas que le personnage n'est pas bien, mais comme je l'ai déjà. Et... Ah, que j'espérais vraiment avoir ce Koga Tété, quoi. Pas grave, c'est comme d'habitude, le jeu veut me faire des équipes atypiques pour vous montrer ce qui est faisable avec d'autres personnages que les personnages standards. On y va, hein, on y va. Bon, c'était Mouchou qui vous dit tchou-tchou.